éclate. C'est béni le papier, chaque projet enchanté. Pile ou scrap, ensemble on va tout transformer. Aujourd'hui pour une vidéo, un jour un collage. Alors, comme vous voyez, je suis pas très assidue, mais je vais essayer de vous en faire quand même deux voire trois par semaine quand même. Du coup, j'avais mon petit... Je l'avais, hein. Il y a deux minutes, je l'avais parce que je l'ai sorti et je le retrouve plus. Je viens de le retrouver. Maintenant, je mets tout dans cette boîte-là. Alors, peut-être que il serait là. Non. Bon, je vais en chercher un autre. C'est pas gênant en soi. C'est mon... pour mon autre que je cherche. Donc, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc, je vais aller en chercher un autre. Je reviens. Voilà. Donc, on va faire sur le thème Halloween. Alors, je vous fais beaucoup de cartes de Noël. Par contre, je ne vous fais pas de cartes Halloween. Voilà, donc c'est un choix personnel. Donc là, je peux faire plus un jour un collage sur thème d'Halloween. Et voilà. Je suis inspirée par les cartes de Noël cette année. Chose que d'habitude, j'ai vraiment du mal. Et là, pour le coup, je suis bien inspirée. Alors du coup, j'en fais un peu plus souvent, quoi. Là, vous en avez une par jour. Là, il y en a été programmé jusqu'à mardi, je crois, que j'ai fait aujourd'hui. Bon, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait deux vidéos d'avance, pas énorme non plus. Mais je trouve que c'est plutôt bien de les anticiper. Alors, je vais prendre un brouille-brouille. Un brouille-brouille. Un brouille-brouille, un brouille-brouille. Je vais regarder le brouille-brouille là, voilà. Je veux pas que ce soit net, hein. C'est vraiment, c'est un truc d'Halloween, hein. Soyons clairs. Donc si c'est pas net sur les bords, en fait c'est le but. C'est ce qui est recherché, à part bien sur le côté où je voulais que ce soit bien noir prononcé. Sur les côtés, en fait, peu importe quoi. C'est plus ou moins fort et voilà. Oupsi. En fait, si j'en mets sur ma planche en verre, c'est pas très grave. En fait, je suis bête, je passe un coup de lingette et on est bon. Ouais, lingette, j'ai dit pilou, pas le doigt, lingette. Je vous jure. Ah, bah, il était là, je l'ai retrouvé. Lingette, non, mais je vous jure, sérieux, oh, c'est grave, Maurice. Alors, on va prendre le tampon de fond qui est là. Hop. Voilà, nickel. Une petite lingette. Vous voyez, un coup de lingette et ça part tout seul, hein, pas besoin d'y mettre les mains. Je vous jure. Alors les grands comme ça, généralement, je les laisse sur le rhodoïde. C'est beaucoup plus simple pour s'en servir. Par contre, ben, ça ne vous empêche pas d'en avoir sur les mains. Mais bon, après, c'est pour un grand lavage de main et c'est parti. Donc ça, on va le mettre sur le côté. On va le mettre comme ça. Oh, pas mal. Ensuite, du coup... Je vais prendre la feuille que j'ai sortie. Hop. Et hop. Sympa, hein? Il y a un truc que je voudrais faire aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Hop. On débrouille.
Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, je le mets là avec la lingette. Alors, du coup, ça, on va le coller là. On va déjà mettre ce morceau ici. Et on va ancrer les bords en noir. Parce que sinon, vous voyez, ça fait du blanc. Et j'ai pas envie de d'avoir du blanc sur ma feuille. Je sais même pas combien on est aujourd'hui. 27. Si, si, on est le 27. Si, si, si. Hop, un rat. Là, il y en a trop. Et je vais mettre ça couchant. Super. On va passer tout ce noir avec de la couleur. Je me suis imprimé une poupette que j'ai créée avec l'intelligence artificielle. Et elle, elle va venir comme ceci. Vous voyez, elle va être trop belle. Mais avant de la coller, je voudrais mettre des bricoles. Donc là, j'ai mon demi-papillon que je vais utiliser. C'est les étrapes de jeter. Là. J'en ai pas d'autres de demi. Non. Là, j'aimerais prendre ça. Je crois que j'avais fait voler quelque chose. Mais non. J'ai envie de casser avec. C'est trop bien. J'ai sorti les bonnes fleurs en plus. Alors, le tournesol, comme ceci, je couperai ce qui dépasse. Je crois qu'il y en a un autre. Parce que tant qu'à faire, autant rester dans le tournesol. Voilà. Hop. Je sais pas si je vais mettre une fenêtre comme ça. Non, je vais pas mettre de fenêtre. Déjà, on va coller les deux tournesols. Déjà, ça va bien casser tout ce sombre-là. Celui-là et celui-là. Elle, ici, comme elle est orange, ça va bien ressortir. J'avais pris ça, mais je sais pas ce que ça va donner par-dessus. Faut que je les range mes stickers, que je vais faire un. Je sais pas comment je vais pouvoir les ranger, mais j'aimerais les ranger en fait. Ça. Je peux faire quelque chose là. Hein. Ça ou ça là. Celui-là. Comme ça. Et comme celui-ci. C'est le même. Comme ça, alors attendez, celui-là ici, alors moi je suis chiante, parce que j'aime bien quand c'est symétrique, je vous avouerai, et là par contre ça va pas être symétrique, parce qu'il va y avoir ce papillon qui va pas y être, mais c'est pas gênant. Par contre, mes mères, j'aimerais que tu me caches pas mon tournesol. Hop, ça ici. Et le papillon là. Le papillon, je vais pas le mettre en fait. Pas sur celle-ci.
Voilà. Le nez papillon, je vais le ranger. Après, on va faire une étiquette nous-mêmes. Avec Hey Little Monster ou J'hésite. Des bonbons ou un sort. Ça pourrait être pas mal, ça, des bonbons ou un sort. Ou le petit monstre. Un amour de sorcière. Ah, voilà le truc. Voilà, c'est ça. Un amour de sorcière. Alors, du coup, on va coller ça. Déjà, pour commencer, je vais t'enlever, toi. On va coller celui-ci. Alors, j'ai regardé plusieurs vidéos de gens qui utilisent ce genre de stickers ongle ou pas l'ongle. On galère toutes. Donc, ça me rassure. Ongle ou pas ongle, j'ai l'impression qu'on galère toutes avec nos stickers. Hein. Hop. Attends, toi, t'es pas collé. Ah, j'aime bien, ça rend bien. Hein. J'avais pas un... Qu'est-ce que j'en ai fait encore? Il est là. Voilà. Dans le sol. Petite pensée à mon papa. Seul à mon papa. J'ai coupé ce qui dépasse. J'ai pas envie de jeter, alors je le colle là. J'aime pas trop le gaspillage, je vous avouerai. J'essaye de faire en sorte. Oh, cacahuète. J'essaye de faire en sorte d'utiliser tout le produit. Généralement, quand je coupe. Là, tu me fatigues un petit peu, je l'avouerai. Voilà. On va le mettre là. Ça fera du ressortir du jaune aussi de ce côté-là. Regardez. Hop. On est plutôt pas mal. On va enlever ce morceau. Hop là. Super. Ensuite, on va coller celui-là qui est moins jaune. Mais qui est tous aussi joli. Hein. Bon, là, ce que je vais couper, je vais le jeter parce qu'il n'y a pas assez pour le remettre. Je pense pas. Ouais, pas si, regardez. Hop. Pas de perte. Bon, celui-là, j'avoue, je vais pas le mettre. Hein. Il reste pas grand-chose. C'est vraiment un tout petit bout de rien du tout. Ça, je l'enlève. Ok. Et ensuite, on va retourner ça dans ce sens-là. On va mettre celui-ci comme ça. Ok. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ma petite poupette, je l'en ai mise où? Elle est là.
J'avais dit que, ah oui, que je voulais faire mon étiquette, donc un amour de sorcière. J'ai tamponné ça. Ouais, mais ça va pas marquer. Je vais prendre un bout de ça. Est-ce que j'ai une perfo étiquette? Ou j'ai pas. Il me faut ouais, on est pas mal. Il faudra juste que j'ai 5 minutes séchées parce que sinon sur le papier comment dirais-je, j'ai peur que sur le papier calque ça bave. Voilà, vous voyez, ça va un petit peu baver. Donc, il me faut ça. On va attendre que ça sèche un minimum. Elle, je vais la mettre comme ça. Ah, un truc que j'aurais dû faire aussi. C'est pas mal ça. Alors j'imprime mes images sur papier photo. Pour que c'est ce rendu là, c'est sur du papier photo. Sinon, c'est pas joli. Sur papier basique, c'est terne. Alors que sur papier photo, vous voyez, ça brille. C'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup imprimer mes images sur papier photo maintenant. Je le fais de plus en plus. Bon, après, si ça va, oui, c'est pas grave. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pour Halloween. Donc, à la limite, c'est pas bien grave. Et le papier calque, je le répéterai jamais assez. Le coller avec ce genre de colle. Vous voyez, même si ça bave, c'est pour Halloween, il ne faut pas l'oublier. Et elle, on va venir la mettre là. Le monde de sorcière. On est bien. Regardez-moi ça. C'est super joli. On va mettre des strass. On a décalé d'une heure, je suis complètement perdue. Je sais pas vous comment vous vivez ce genre de choses, mais alors moi je le vis super mal. Ça me gonfle. Je déteste ça. Je j'aime pas. Ça me turlupine. J'ai horreur de ça. Ça me turlupine. Ouais, j'aime pas. J'aime pas changer l'heure. J'aime pas. Voilà. Et voilà. Un amour de sorcière. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop mignon. Donc, un jour à collage du 27, j'ai dit. Du coup, 24, 25, 26, 27, 27 octobre 2024. Mon dateur est là. Ma versafine est ici. Voilà. Et on tamponne. Hop là, 27 octobre 2024. Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez voir ce genre de choses sous un autre format, tag, je sais pas, peu importe. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ce format dans une forme différente. Là, moi, j'aime bien ce format-là parce que ben, c'est passe-partout. Et puis, du coup, je vais pouvoir le touilloter et venir l'arranger à la suite de celle-ci.
Et du coup, moi, je trouve le rendu plutôt cool sur ce format. Maintenant, peut-être que vous avez envie de voir un autre format. Pas un autre format hein, d'un jour un collage, hein, mais un autre format de cartes. Voilà. Moi, là, c'est du 10 par... du 10 par du 15, 10 par 15, et je trouve le rendu plutôt cool. Et vous voyez, je vais venir trouilloter et je vais venir le ranger avec. Et du coup, ça me fera un petit bouquin d'octobre-novembre. Parce qu'octobre, ben, du coup, il n'y a pas beaucoup de jours. Et enfin, il n'y aura plus beaucoup de jours. Et du coup, je serai novembre à la suite. Peut-être que j'essaierai de vous en faire une plus régulièrement, du coup, au mois de novembre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.